Eh bien, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, je suis très très heureuse de prendre à nouveau la parole parce que je désire vous partager ce qui se passe au niveau des soins collectifs du mercredi soir de 20h à 21h30, sachant que j'en ai fait pendant un long moment, pendant de nombreuses années sur un autre logiciel, mais voilà, après je me suis arrêtée, c'est la vie, hein, ce sont des respirations différentes qui se succèdent. Et là, j'arrive avec encore une autre dimension en lien avec tout ce que je continue à accomplir moi-même. Et donc, je suis vraiment très très heureuse d'avoir des retours très positif de personnes qui me font confiance, déjà dans un premier temps, c'est essentiel. Et je les aide vraiment aussi à entrer dans leur propre mystère. Ah, alors, c'est quoi un mystère? Eh bien, pour moi, ce que l'on vit ici dans la troisième dimension fait partie d'une certaine réalité de matière, de matériel, de corps physique, du toucher, de la vue, de l'ouïe, de l'odorat. Et puis, de l'autre côté du voile, dirais-je, eh bien, ce sont les mystères. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas mis en lumière l'essence de nos mots MOTS, de nos mots MAUX, de toutes nos expériences de vie, eh bien, nous restons dans la 3D sans avancer, sans aller plus loin, sans nous enseigner de ce que nous vivons. Et donc, je suis persuadée maintenant que tout ce que nous vivons ici sur Terre, eh bien, est la résultante, la conséquence, l'effet d'une cause, d'une origine et donc d'un lien à d'autres plans de conscience, d'autres dimensions qui sont subtiles, qui sont invisibles et qui sont à rendre visibles. Et donc, pour moi, la clé, c'est vraiment de se relier à son âme, de se relier à son origine, d'aller voir la loi de cause à effet qui rebondit encore en réaction et qui fait écho à ce qui se passe dans cette vie-ci, et donc d'aller dans nos propres mystères invisibles pour les mettre à jour, un peu comme un ordinateur, les réinitialiser de telle sorte que ce tube pranique vertical dans lequel nous sommes toutes et tous, eh bien, il se purifie au fur et à mesure de ce travail intérieur. Au fur et à mesure de cette quête du Graal, de cette recherche que nous pouvons mener, d'aller donc purifier toutes nos scories, toutes nos pollutions, que ce soit en termes de pensée, d'émotions désagréables ou de difficultés physiques, hein, comme, un peu comme du calcaire qui s'est déposé dans un tuyau. Eh bien, tout est enseignement de toute façon sur ce qui se passe dans ce plan-ci, la nature qui nous montre là où nous en sommes et ce que nous pouvons faire. Est-ce qu'elle nous enseigne pour qu'on la respecte ou bien est-ce que l'homme arrive aujourd'hui à l'aboutissement qui lui montre que bah, de vie en vie, peut-être nous ne l'avons pas assez respecté? Et donc, c'est un peu comme une explosion à la fois de joie pour les personnes qui avancent sur leur chemin et qui continuent à être des éclaireurs et des éclaireuses, des personnes qui s'initient au fur et à mesure à tous ces enseignements qui sont à notre disposition, ou bien continuent à subir toujours ce triangle de victime, persécuteur, sauveteur et s'interdire, s'empêcher de voir plus haut, de voir plus loin et de vivre vraiment au présent. Voilà, donc tout ceci pour vous dire que lors de ces rencontres et de ces partages en collectif, eh bien vraiment, moi, ce qui m'anime, c'est d'appeler toutes ces âmes qui sont dans ces dimensions,
dans ces plans des mystères invisibles et de faire en sorte que vous receviez au fur et à mesure des images, peut-être des films aussi, des ressentis, des messages de votre âme qui va, elle, vous informer de là où vous en êtes, qui peut vous donner vraiment des messages essentiels pour continuer à avancer sur votre chemin, mieux vous orienter, un peu comme un phare dans la nuit qui aide les bateaux à s'orienter et à arriver au bon port. Eh bien, même si tout est à vivre et il n'y a pas de bon et de mauvais, hein, y a des émotions agréables et désagréables, il y a des pensées positives et négatives. Le tout, c'est d'en construire quelque chose dans sa vie, d'y amener du levain et d'avancer le mieux possible. Et on fait tous du mieux qu'on peut sur notre chemin. Voilà, donc il y a vraiment des êtres de dimension subtile qui se présentent. Voilà, donc je ne vais pas les nommer, je vous laisserai la surprise de les vivre si vous venez me rejoindre et vous venez nous rejoindre. Voilà, donc je vous invite vraiment de tout cœur à venir sur mon site révélercestalents.com à la page événements et vous verrez, donc il y a le lien d'inscription. J'ai préféré mettre un prix, comment je vais dire ça, pour que toutes les personnes puissent y participer. Vraiment, il y a un forfait d'une dizaine de séances et puis une séance à la fois. Sachez que c'est très très intense, c'est très très fort parce que depuis tout ce temps, toutes ces années, ces 22 années que je fais tout ce travail intérieur sur moi, eh bien, moi, mon canal s'est bien purifié et ça continue, hein, c'est le travail de tous les jours. Et c'est pour ça que je peux vous apporter des aides de mon âme qui va chercher les âmes qui sont présentes lors des ateliers et puis qui va leur montrer, les inviter à rejoindre leur âme pour recevoir des enseignements, pour en donner et continuer à vivre au mieux tous ces changements que nous sommes en train de vivre. Et vraiment, vraiment, c'est une invitation à aller à l'intérieur de soi. C'est un peu comme une personne qui est non-voyante et qui voit beaucoup mieux qu'une personne qui voit physiquement, qui a les yeux ouverts. Et l'image qui me vient souvent aussi, c'est d'être comme une fleur de lotus qui va s'ouvrir le jour pour recevoir les rayons du soleil parfumés de son parfum, de son être, et se fermer durant la nuit pour venir se ressourcer de la terre, de tous les enseignements de la terre, et donc de recevoir tout ce que la terre a apporté à cette fleur que nous sommes aussi. Voilà, donc c'était simplement une petite intervention sur ce que je propose. J'ai commencé à mettre des témoignages. Bon, il y en a beaucoup sur mon site à l'onglet témoignages, bien évidemment. Mais vraiment, de tout cœur, si vous voulez avancer, faire de grands pas en avant tout en restant présente et présent dans le moment présent, eh bien, c'est avec grand, grand plaisir que je vous accueille. Tous les mercredis de 20h à 21h30. Voilà, donc je vais vous mettre la petite information qui est présente au niveau de mon site. Voilà. Voilà, donc c'est ici, vous voyez, sur l'onglet. Donc mon site c'est révélercestalents.com. Donc un petit rappel sur un livre que j'ai écrit en 2 jours de temps, Conversation avec mon âme, qui m'a amenée dans une vibration particulière. Et puis, vous allez sur l'onglet événements. Et donc, ici, vous avez le lundi soir. Donc, ce sont c'est du journal créatif, en fait. Donc, c'est aussi une manière très, très spontanée d'aller retrouver des mémoires et puis de travailler sur soi. Et ici, donc, vous avez soins énergétiques en ligne. Donc, je vous envoie un questionnaire personnalisé et puis pour vraiment répondre aussi à vos besoins et que vos âmes soient entendues de l'autre côté pour recevoir ce que vous avez à recevoir. Voilà, donc je vais arrêter ce partage d'écran. Je vous remercie de m'avoir écoutée.
Et puis, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Merci du fond du cœur.